chers camarades, bienvenue, je me souhaite d'abord la bienvenue et merci pour votre présence aujourd'hui. Comme on se connaît, la CTSP, groupe de jeunes spécialement, il organise un débat, l'eau, c'est l'esprit prendre la lumière dans la main. Ça débat-là est organisé à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui est pour célébrer demain, vendredi 12 août. Et par ailleurs, nous aussi pour l'événement demain, pour sensibiliser par les jeunes pour l'importance d'un syndicat et aussi pour encourager le transport syndical. Le groupe de jeunes de la CTSP organise sa débat-là aujourd'hui grâce à support exécutif CTSP, notamment Guidance et Support de Jane et Créas. Et l'objectif de sa débat-là aujourd'hui, c'est pour comprendre qui va le problème, qui va le jeune qui fait face à aujourd'hui. Qui va le problème, qui peut empêcher de prendre l'initiative humanitaire, take the lead. Et aussi, c'est aussi pour permettre à Banzen pour qu'ils soient capables d'exprimer pour ce sujet-là. Comment se connaît, ici CTSP, nous valorise Banzen, comment nous dire, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Alors, il est important pour qu'ils nous donnent l'opportunité de s'amuser, de montrer ses compétences. Mais pas seulement montrer ses compétences, mais aussi de donner un support pour qu'ils soient capables d'être un bon leader de demain quand ils sont appelés à prendre une responsabilité. Je remercie eux. Je vous maintenant passe la parole à Mathieu qui pour introduire ce panéliste. Merci, vous me retrouvez après. Merci beaucoup, Anaïs. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, pour ce débat-là, il y a quatre jeunes de différents secteurs et chacun pour amener son opinion, son expertise et aussi nous attendre des jeunes qui, bien sûr, ne sont pas d'accord avec tout ce que les jeunes panélistes peuvent dire. Il y a une contradiction, il y a aussi un agreement pour certains points, mais comment nous mettons à dire, débat faire dans la contradiction. Et sans plus tarder, le premier panéliste, je tout connais comment Jean de Box, camarade Jean-Louis, un opérateur qui travaille Box Manufacturing et aussi un délégué là-bas. Il est également trésorier de View. C'est un jeune qui est très actif et qui apporte beaucoup de résultats, surtout quand il s'organise pour travailler dans ce secteur. Et aussi, parmi nous, nous avons deux jeunes étudiants, camarade Sen Sinasami et camarade Mandira Carlesor. C'est un étudiant universitaire à l'UOM en politique et droits humains. C'est également responsable d'un club connu comme Human Rights Society. Et quand je prends beaucoup d'action pour conscientiser Banzen, surtout au niveau politique, qui vous intéresse tabou, surtout parmi la jeunesse. Je participe souvent à plusieurs conversations collectives, comme aujourd'hui, pour faire tant je de la voix. Assistant négociateur après 2 ans passé à la CTSP, camarade Vince Rungasami fin assisté et organise plusieurs activités pour conscientiser et accompagner ma zen et toutes catégories d'âge travailleurs pour rejoindre mon mouvement syndical. Vince est là aussi une connaissance dans le monde du journalisme et Castella. Il peut aspirer à spécialiser plus dans le monde légal et juridique pour mieux défendre nouveaux classes travailleurs dans le futur. Et sans plus tarder, à nous lancer le débat, on invite camarade Tania pour venir poser la première question. Merci beaucoup. Question, c'est selon vous, quel défi Banzen peut faire face aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est quel problème peut atteindre nous en tant que Banzen dans le futur? Ok, comment ça? En fait, en fait, pour les jeunes aujourd'hui, comme tout connaît, nous avons la télévision, la case, nous avons choisi un métier la télévision. Et la plupart du temps, nous avons besoin d'expérience, nous faisons 5 ans dans l'expérience, tandis que les jeunes qui sont à l'université,
Ce diplôme, je peux avoir l'expérience de gain du mal pour rentrer dans le monde du métier parce que ça travaille qui peut demander là, il peut demander l'expérience. Il ne peut pas demander qualification. Ça, jeune qui a l'étude là, il peut demander l'expérience. Mais moi, je trouve que nous pouvons faire une compétition avec le monde du travail. Quand on est jeune, malgré de ne pas faire l'éducation, hein, de tenir l'expérience, et que la famille n'avait pas de jeune pour faire d'autres enfants. Rester arrivé à l'université, de ne pas gagner un travail là, et de tenir un certificat. Ça, c'est un problème, le côté ban jeune. On me prend parole? Un deux étonnement. Bon, vous commencez. Bon après-midi à tous. Moi, je me dire que je me représente maintenant. Et pour répondre à cette question, alors, comme mon camarade ici, il mentionnait la famille a venu avec Banzines. La famille qui forme nous. Moi, je pense que un grand problème qui nous peut faire face à notre société, c'est la manière qui nous racine même pour former. Est-ce qu'ici, là, me disais que nous en quatre, là, hein? Est-ce qu'ils se sentent que nous sommes adultes? Est-ce qu'il y a une jeunesse, par exemple, moi, j'ai 21 ans, est-ce qu'il y a un adulte? À part dans l'âge, dans mon mental, est-ce qu'il y a un adulte? Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes levé dans la main que c'est que vous pensez mon adulte ici? Toujours. Moi, je pense qu'un grand problème que nous devons faire face, c'est que je prépare nous pour des mondes qui, pas des hier, ma institution peut préparer nous pour ça. Dans l'école, nous avons un commencement, nous avons une finition, mais nous pouvons nous humilier. Et dans la vie du travail, nous pouvons nous humilier. Moi, je pense que c'est un grand problème. Nous avons un problème de nos racines jeunes qui peut faire nous faire face parce que nos sociétés peuvent mal évoluer. Comment on dit, technologie, portable, digital, tout ça peut évoluer, mais dans l'école, nous avons le même système. C'est un problème de faire face de nos racines. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Voilà, comme dit tout le monde, encore une fois, moi c'est Shane. Et il faut bien rejoindre Mandela lorsqu'il est posé. Mais moi, encore une fois, la question-là est beaucoup plus vaste que ça. Pour moi, si je dis aujourd'hui, en quelque sorte, je suis cause de le problème qui va me faire face. Et pour moi, même problème qui s'arrive, ça peut faire face. Nous, si je dis, je peux faire face au même problème. Je peux faire face au problème socio-politique, crise économique, crise identité culturelle. Et même crise démocratique. Donc, de tout ça, un problème qui se ben, adulte de la force du travail peut faire face, nous, jeunes, nous peut faire face au même problème. Et quelque part, je vous connais, comme tout le monde est négocié, je vous dis, l'époque, le montant, quand je dis jeunes, pas de tel problème, pas de tel problème. À ce qu'il arrive, ce problème-là. Mais ce qui ne s'est pas fait réaliser, c'est que nous, jeunes, je vous dis, enfin, moi, je connais peut-être Vince et Jean-Noël, je puis avancer. Je plie ma manchène un peu plus avancée. Je vous connais ça à l'époque longtemps, mais nous, nous n'est pas un système. Là. Nous n'est pas un système qu'il y a un problème pour nous. Et je vous dis, si nous ne pouvons pas causer, personne ne va pas réaliser qu'il y a très limité. Et franchement, moi, je suis vivant, nous autres, ça, quand c'est le panel là, qui dimanche l'audience, nous avons the guts, the balls to come and speak about it. Pas beaucoup de gens qui ont envie de ça. Je vous dis, mon envie prend un exemple au hasard, crise économique, même crise politique. Je devant moi, je suis beaucoup plus âgé que moi, je a beaucoup de respect pour eux et pour le travail, je fais pour le pays, mais quelque part, sur l'expérience côté politique, je suis beaucoup plus avancé que moi. Mais pas me dire qu'il faut l'opinion pas compter. Vous ne connaissez pas vous d'accord, moi ou pas. Moi, j'ai moi l'opinion et vous pensez que l'opinion est importante, et c'est justement ça. À travers une conversation comme ça, qui me pensait qu'on va amener un progrès. Donc, on passe la parole peut-être à quelqu'un d'autre. Si mon cas, il sera juste un enfant, écoute, avant de passer la parole. Shane, tu mentionnes un enfant, Maria, pour autant. Tu me dis, Manzénis, est-ce qu'ils étaient en fiel pour venir devant pour cause là? Moi, pour cause pour moi, tu sais, parce que moi, je suis fiel. Quel est ce panel là? Me pensais, me sais, moi, je suis fiel qui est fiel pour venir là. Et ça rejoint dans ce qui me dit, madame, tu là. On dit, dans la société, mon travail, comme par exemple, Miss Maternelle, pour occuper mon plus défavorisé, tout ça, là, c'est mon madame qui me fait ça. Et qu'un zénézo, disons, un tifi, est-ce qu'il nous peut gagner courage pour venir devant et pour exprimer l'opinion? Et que ça, un problème qui nous peut, un gros problème de la société, pour encore une fois rejoindre le fait qu'il ça donne nos racines. Je passe la parole à mon camarade, assez. Bon, qui va un défi, qui va un jeune faire face aujourd'hui?
Notamment, moi, je vais analyser, bien sûr, dans le monde du travail. Nous, les jeunes, le problème qui nous fait face, c'est que quand nous perdons un travail, nous obligeons de travailler aussi. Pourquoi je tiens des gens qui sont bien chanceux, vous avez un travail qui commence à 9h, vous finissez à 5h. Mais quand vous avez, par exemple, madame, pour tout libérer d'un travail, vous avez un travail aussi, nous avons 6 enfants, et ce n'est vraiment pas évident pour une maman de rentrer 10h à soir, 11h à soir. Et là, vous avez peine à les temps pour avoir des enfants. Vous n'avez pas trop que vos enfants grandissent. Problème majeur qui ne fait pas ce fait, c'est que nous avons un travail 10 aussi. Nous commençons 11h, nous finissons 9h à soir, 7h à soir, whatever. Ensuite, si nous avons envie de gagner un bon salaire, nous oublions de faire overtime. Peine à 6 000 là-dedans. Si pas faire overtime, pas gagner un bon salaire. Si, et le pire là-dedans, c'est quand nous pouvons gagner un travail qui nous va déjà nous faire. Nous pouvons faire un highly skilled jobs, mais seulement nous pouvons gagner un lapin qui est vraiment dérisoire. Je vais vous donner un exemple. Nous pouvons faire un travail qui, en principe, c'est un dimoun dans l'Europe qui est bien fait. Okay? Et je peux faire ce travail-là pour gagner 40 000 roupies, 50 000 roupies, 60 000 roupies. Et nous faisons ça pour combien? 15 000 roupies, 20 000 roupies. Et raison laquelle, pour laquelle un dimoun peut venir donner du travail dans ce secteur-là, c'est justement parce qu'il nous coûte moins cher que si nous employons un Français, un Allemand, un Anglais pour faire ce travail-là. Donc, c'est ça le problème. The root of the problem, c'est ça. Ensuite, plus cause, bien sûr, l'éducation. L'éducation n'a pas fini de mettre l'emphase, justement, dans le training. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard que la semaine dernière, la CTSP s'est invitée dans un forum pour cause un secteur qui vous crée bientôt dans Maurice, c'est-à-dire le secteur de l'énergie renouvelable. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est mettre ban. Windmills, l'eau, la mer. Parce qu'il nous peut réaliser, nous n'avons pas beaucoup d'îlots, mais si nous servons ça pour faire l'électricité, si vous m'arrivez à y aller, notamment avec l'objectif COP26, que nous avons envie de créer encore 60-70% de toute l'énergie à partir d'une énergie renouvelable. Donc, je tiens à appeler cet aspect pour cause l'eau, ce qu'on appelle travail, labor et tout. Et nous disons, nous, mais je vais mettre beaucoup d'emphase dans ce qu'on appelle formation des jeunes pour qu'ils aient réussi à intégrer ce secteur-là. Et l'étant d'étudier ça, on a réalisé qu'en fait, tout le monde peut prendre une note, comment dire, à formation. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas si bon, c'est même si tu as besoin d'une formation. Donc, en gros, nous pouvons faire une étude, nous ne pas même connaître qui travaille pour gagner, nous ne pas même connaître comment casse nous pour gagner. Nous ne pouvons même connaître qui l'est nous travail. Et à partir du moment qu'il nous rentre dans le lieu de travail, c'est là qu'il commence à nous gagner sa douche froide. Là. C'est là qu'il nous réalise capable de nous perdre nous les temps, qui nous pas connaît. Et finalement, c'est aussi un autre problème. Il n'y a aucun jeunesse qui connaît qu'il est sa syndicat. Donc, enfin, nous pouvons nous demander les autres questions. Merci à tous les panélistes. C'est un bon commencement d'ailleurs de trouver un problème quand j'ai les génériques, mais à ne pas analyser. Et pour commencer, me trouver qui, pour l'instant, se calme assez d'accord devant le problème qui est des crises identitaires, qui est le problème de mon système de travail, chiffre de travail, et même un problème de genre, on va dire, une disparité entre le travail, ce qu'elle monsieur fait, ce qu'elle madame fait. Et à nous poser la deuxième question, et moi j'invite camarade Diane. Merci camarade Mathieu. Je me donne beaucoup de défis. Et ça fait moi vraiment triste pour me donner ma dirige à comprendre tous ces défis de ce panel-là aujourd'hui. Mais je me pose une question. Qui fait juste tous ces panels aujourd'hui? Et je ne suis capable de les autres. Malgré tout ça, mal défi, je ne vais mentionner là. D'après eux, qui peut empêcher Zénès bouge de l'avant, organiser en eux bouge de l'avant, une unité, qui fait ça? Qui fait finir ça? Alors, si vous permettez, moi, essayez de répondre à deux questions, merci beaucoup pour la question. Bon, en plus, j'ai une chose qui te dit, concernant Manuel, tu nous as dit comme ça,
nous sommes capables de rôle en gros de fin. C'est ça le problème. Aujourd'hui, participation de CNES dans n'importe quel domaine, n'importe quel secteur, mais mettez-le là, à cause de ça, mettez-le là. Les questions ne sont pas capables de rôle. Je vais faire un panel captif là. Oui, fine. Passez le rôle captif, mettez-le là. Vous voulez pas qu'il y ait un rôle du monde pour mettre là. Vous voulez dire que vous n'avez présent là. Vous voulez dire que vous confiance dans lui, c'est ce qu'il peut penser, ça même ça. Ça, la voix qui est là, de celui qui est là, là, c'est qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir. Tu fais là, il ne peut pas lui-même. Et moi, j'ai envie de poser une question à cette table à l'audience, moi, je trouve beaucoup, moi, j'ai une majorité d'hommes et d'hommes âgés. Moi, j'ai envie de poser une question directement à l'audience. Combien d'entre eux et nos enfants? Je ne vous réponds pas, je vais nous de la tête. Bon, bah, c'est difficile pour répondre à tout le monde. Et combien d'entre eux identifient? Encore une fois, une information assez banale, je ne peux pas répondre. Combien d'entre eux, tu peux d'accord, tu peux identifier leur panel là? Combien d'accord, tu peux laisser identifier une cause de la panel là? Combien d'accord, tu peux identifier une cause de la cause là? La case, pas besoin de panel. Combien d'accord, tu peux me certifier là sur la voie de l'importance? Donc, moi, je trouve ça illogique. Au lieu de rôder, on a besoin de l'avant. Et justement, camarade, une moitié d'aller là, qui lui peut bien supporter le panel là. D'une façon ou d'une autre, mon portable est ce qui gagne à tout ce boulot là. Bon, allez, écoutez, bon. En fait, mon portable, sa camarade, ce qui veut dire, nous dire, un vétéran qui nous a devant nous, mais la plupart, moi, pensez que l'éducation, elle vient depuis dans la case même. Parce que nous, nos parents, nous avons des parents, j'aime tout. Nous tenons à dire comme si nous bloquions dans un système, nous disons longtemps. Là, disons, quand tu es une petite fille, ça va pour bien faire petit garçon. Hein. Ouais. Tu ne disais pas là-bas, là, laisse cette petite fille-là dans ce place que tu étais. Et garçon, là, il est bizarre là-bas. Mais avec nous disons pour la question qu'il pose, moi, qui va nous aider à faire avec une nouvelle technologie qui nous peut gagner à ce terre. Même nous jeunes, il nous peut bizarrement dire adapter nous avec ça. Parce qu'il nous peut faire face, plutôt du monde travail, nous pouvons dans l'économie 4.0 comme un robot pour venir. Et là, il pouvait être plus difficile parce que longtemps, nous disons que nous grand du monde, nous ne pas dans Facebook, ni dans les réseaux sociaux, je vais faire parler derrière la flèche. Et c'est ce qu'il mettait. Mais désormais, du monde n'arrive pas à bien connaître. Du monde qui bien connaît, il finit connaître à travers Facebook, tout les réseaux sociaux, il finit connaître, et il y a un problème là-bas. Mais moi, je pense que l'éducation, là, ils avaient depuis nous, les grands-parents même. Ils ont laissé nous développer à travers nous-mêmes. Laisse donner la chance. Madame Michel, tous les deux, ils avaient pareil, 50-50. Pas dire non, toi, toi, madame, tu viens pour 45. Ils ont 50 égal pour tout. Parce qu'ils disaient, madame, comment pour Michel, tous les deux, qui fonctionné pareil. Qui est le problème qui fait ce qui. Ben, qui peut empêcher les jeunes d'organiser aujourd'hui? En fait, selon moi, il y a beaucoup de manque d'éducation. Ok? Nous ne connaissons pas, en fait, jamais, pas mal, nous dans l'école, qui nous gardons jeunes ensemble, nous prenons la force, nous exprimons nos bonnes idées, nos bonnes opinions. Par exemple, quatre jeunes là aujourd'hui, nous donnent l'opinion, nous sait trouver une solution court, moyen, long terme. Là, là, bizarre, ben, dis-moi, pour adhérer à cette idée-là. Et que là, nous recrutons du monde, Jésus, hey, est-ce que tu es d'accord avec moi? Mort sur moi, tu es d'accord avec moi. Vous pensez, c'est ça. Le pire, donc, moi, je vais apprendre, je vais à l'université, mon cours d'université d'ailleurs. Et il faut me rendre au syndicat ici pour que là, Réal, j'explique nous ça, le concept là. Mais si je parti là, je parti rentrer dans CDSP, je parti gagner ça l'opportunité, je me parti faire ça, je crois, là-même. Mais jamais, moi, tu connais qu'il est organisé. Et c'est ça qui est dommage parce qu'il ne parle pas de nous ça dans l'école. Mais pas juste ça, pas même apprendre nous ça dans une vidéo, nous guetter dans YouTube, dans TikTok ou whatever. Parce que, comment dire, quand on pense organiser, dis-moi comment il dit ça tout de suite. Vous vous rappelez à l'époque, moi j'ai envie de faire un meeting, mes parents disent, moi non, pas aller. Tu n'as pas de problème. Et dans ça, la paix là. Parmi une majorité de household. Mais il y a aussi le manque de structure qui peut affecter les jeunes. Nous, les jeunes, nous connaissons que ça, et moi, je le dis, je me rends sur Instagram, je me like ce profil, whatever. Mais seulement, nous ne connaissons
qui nous capables en la force, qui nous capables faire nous la attendre. Et c'est ça qui peut manque nous. Et nous aussi, en man les autres facteurs qui fait ça plus difficile. Par exemple, quand nous allons dans l'entreprise, et nous sommes à identifier des gens pour capable rendre un syndicat, nous réaliser que parfois, nous pas capable venir dans telle place pour organiser nous, parce qu'il y a une caméra qui peut veiller nous. Donc, si vous pensez dire, ok, mais vous créez un groupe de WhatsApp, ou alors gagner compte qui est dans des gens qui prennent screenshot et affichent ça aux autres patrons. Donc, il y a aussi ça va une barrière là qui nous besoin de trouver une solution. Comment est-ce qu'il nous peut adresser, comment est-ce qu'il nous peut minimiser l'impact de nous? Bon, donc voilà, il y a tout ça un problème là. Je passe la parole à Patrick. Ok, bon, pour me revenir à la question, qui peut empêcher nous organiser aujourd'hui? Me trouver une résolu les questions. Vince, tu mentionnes en fait, elle est là, tu expliques un peu, travail, tu me partages l'expérience. Un en fait qui m'a réalisé au fait de nous, je pensais nous manzan, vous avez payé nous plus tigide parce qu'il nous peine l'expérience, nous fait que mon travail. Allez, ok, correct. Je pensais nous, parce qu'il nous peine la plupart des jeunes, nous peine la famille, nous peine la dépense, nous peine la loan, tout ça là. Mais c'est que je n'ai pas réalisé. Nous, si nous peut commencer, nous, si nous peut commencer à nous cueillir, nous avons besoin d'un appui, mais nous avons besoin d'un petit trois codes du monde qui veut travailler. Quand, dans, relativement dans une hiérarchie, nous avons besoin d'un petit guide, mais ma dépense peut disparaître. Un tabouri, il y a 20 roupies pour moi, il y a 20 roupies pour eux. Et la paix ne peut pas monter. Toutes dépenses peuvent monter, la paix ne peut pas monter. Un jeune, nous ne pouvons pas assez, et nous avons dépense fort. Vous trouvez ça c'est un problème et qui peut empêcher nous organiser plus c'est par rapport à mon opportunité qu'ils ont dit je pense que je suis débouté devant eux dis-moi qui le cas je suis prêt pour assiser que je suis parti vite moi là qui le cas je suis prêt pour faire ça je pense que je suis prêt prendre un micro causer comme ça ah, c'est vite moi pour faire des mais besoin une organisation pour faire des combien organisation peut faire ça. Combien je vais garder de pouvoir là où je connais ce demandant. Je pensais qu'il nous prenait l'expérience, nous passer intelligent. Tout le monde qui commandait, je pensais un peu intelligent. Tout le monde d'un cas, je peux l'apprendre de haut. Je vais nous penser qu'il nous manque qui reste Maurice. Nous moins malin qui manque qui peut l'apprendre de haut. Je vais me redire, je peux faire un mari différence, comment dire, un mari gap peut faire que ce malin te quitte pays. Si tu es moins malin, tu restes en Maurice, mais c'est moi qui ai une opportunité pour toi. Et ce qui m'a fait redire, je te fais. Moi, je suis plein, qui ai une opportunité, je peux juste redire que nous avons une opportunité. Comment je vais organiser aujourd'hui? Nous avons fait appel à plus de autres organisations. Invite-nous. Et comme je dis, invite-nous. Invite aussi les jeunes. Invite aussi les scientifiques encouragés pour te faire. Par exemple, pour moi, je suis là. Mathieu, je connais toi. Tu crées l'environnement pour moi, un petit peu, me sentiment à l'aise, une causer. Vous avez créé l'environnement pour de nous faire une structure, faire une organisation pour de nous ça fier là pour venir faire. Merci. Mais on dit là pour rapidement vraiment dire que ce qui me convient bien, j'en veux aussi dire, un plan haut. Mais ne serait-ce que pour s'organiser pour la réflexion en jeune même. Rapidement, je le monde. C'est tout, on dira. Qui empêche vraiment, c'est ça, organiser pour réfléchir, pour proposer une idée. Lire la plateforme, c'est pas chez nous aujourd'hui, pas en jeune. Vous me répondez à la question? Vous pensez que je viens de vous rejoindre, moi, Lola? Allez, je vais vous faire un simple exemple. Nous, à l'université, nous avons un petit groupe qui nous appelle Maurice de Nulamé. Il fait créer ça. Bon, vous vous êtes invité, vous êtes dans mes gosses. Si vous êtes dans mes gosses, bien, vous trouvez, vous êtes bien, vous trouvez, vous faites un petit forum Maurice. Vous êtes bien, vous êtes tout là, là, pour vous pousser comme les mots. Alors, vous trouvez, vous faites un petit forum Maurice. C'est que nous faisons dans l'université, nous regroupons nous là. Et nous avons envie, nous faisons un petit groupe Maurice de nous l'armée, chez Nekman, nous faisons ça avec des trois camarades. Et nous avons une petite discussion. Mais nous groupons. Aujourd'hui, nous avons encore 1000 du monde pour aller au Facebook. Il n'y a pas de monter. Nous groupons aujourd'hui là.
Nous nous faisons un pas en avant, mais ce qui peut nous organiser, c'est un jeune peut faire un pas en avant, mais il y a un autre jeune qui peut faire un pas, un deuxième pas. Nous tous, nous pouvons faire un premier pas, mais il y a une consistance. Il y a un progrès, une progression de chacun de ce pas. Chacun peut faire ce qu'il a envie, chacun peut faire ce qu'il a envie. Tellement, je connais un grand nombre d'instants que tu es dans les social media, nous tenons l'opinion, nous parlons sur personne en nous. Chacun a envie de venir lui-même. Mais personne ne peut servir une idée et peut faire un pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas. Chaque jeune peut faire ce propre pas et personne ne peut suivre personne. Nous trouver la scène avec qui on peut nous aller de l'avant. Moi, je reviens à tout un point de ce qu'Emmanuel avait dit. Qui peut en faire ce pas organiser? Tenez, Mathieu et toute l'audience, il n'y a pas de problème de réflexion. Il faut penser, moi, tant que les apports à leurs expériences narcissiques, causées en papier, longuement, qui ne trouve pas bon, qui ne peut bien mener, qui sent heureusement, qui solution, etc. Mais franchement, tu veux dire, en même temps, Mathieu, il faut faire de toi individuellement, et même si l'audience peut relate to it. Nous faisons le groupe, nous causons, on a tel problème, on a une solution. Nous nous aînés, nous, correct? C'est là qui prend la décision. C'est là qui fait la loi. C'est là qui change la loi. Et vous pensez. Oui. Justement, Shane, on va arriver parce qu'il y a la question juste après qui concerne quand même. Alors, ma question à celle-là, c'est est-ce que cette pensée est un blocage social, politique, économique? Politico-économique, systémique, qui empêche Bansen de take the lead. Blocage. Si le cause blocage, si c'est là, il passe. Moi, premièrement, il répond aux questions numéro 2. C'est qui problème qui peut ravager chez les audits, c'est l'individualisme. Audits, il y a un rat race, que chacun, vous avez fait la primaire, secondaire, tertiaire, master, rentre de travail. Vous faites hypocrite à vos camarades à côté de moi, parce que moi, vous êtes également bon, mais là, moi, la paye montée, vous pouvez vous monter. Ça va, tout le monde comprend ça. Il ne faut pas vous expliquer, non, on est pour comprendre. Le problème, je vous dis, c'est qu'il y a une affaire qui, vous pensez, Vince et mon camarade qui tend justement le monde du travail à fond pour comprendre ça. Je vous dis, dans Maurice, il y a un concept de méritocratie. Existe ça, concept de domination, ça veut dire, moi, moi, que toi, moi, moi, vous avez. Si vous pouvez monter, tu te montes ensemble, moi. Tu as la qualification de pénalité, ça, pour ça. Correct? Ça, c'est le premier point. Premièrement. Deuxièmement, moi, vous pensez, qui est le blocage, c'est l'exode intellectuel. Je dis pour moi, pour les autres qui font l'urgence, moi, un produit du système éducatif, oui. OK? Après plus de 50 ans d'indépendance, je dis, Maurice, ce système éducatif, il est encore basé sur un système anglais. Après, dis-moi, pénal. Les moyens, pénal le système et pénalement du monde qualifié pour qu'il nous garde le système, pour qu'il nous garde faire des autres du système éducatif en parallèle avec ce qui les mondes du travail peut besoin. Qui fait le peu besoin d'un expert de pied en niveau, pénal expert ici? Qui fait le peu besoin d'un autre du monde haut alors qu'il y a une connaissance ici, il y a une richesse ici? Je vous donne un simple exemple, on répond à l'exemple avant que vous terminez aussi, vous venez pour vous passer la parole. Nous tout connaissons la crise écologique, nous tout connaissons le réchauffement climatique, nous tout connaissons ce qui est arrivé récemment avec le problème de Wakashio. Est-ce que tu as besoin d'un expert de vidéo pour expliquer justement comment nous l'avons commencé? Qui fait partie de la collectif? Et c'est ça le problème, individualisme contre collectivité. Qui fait partie de la collectif avec un PCR qui passe de la vie là-bas, qui comprend la qu'on a de fond en comble? Connais comment il va aussi, connais qui bon, connais qui pas bon, connais qui problème il y a, connais qui poisson qu'il y a, etc. Qui fait bien à l'ADO? Nous n'avons rien ici. C'est ça qu'il peut bien faire. Et vous pensez qu'il y a un blocage systémique dans entier du système institutionnel. Et vous pensez, camarade, peut-être Jean-Noël, pour en venir à ce niveau-là. En fait, moi, je vous connais plutôt côté travail. Mais comment tu fais dire, t'as l'air là, nous pouvons faire un petit kit, m'a dit, plus pour le patron, là, contre nous. Mais moi, je trouve que quand un jeune rentre dans le monde du travail, c'est tout côté de nous, dire, bah, non, c'est une zone qui peut assister dans le travail là. La jalousie finit comme on se prend là. Parce que ça, c'est un accord venu pour faire une compétition avec sa banane en chair. En chair, il peut penser qu'il peut venir coquin sur le travail. Parce que Michel, il vient trouver un 109. Il dit comme ça, même, hein, ça n'a pas pour exploiter. Même il peut exploiter ça, jeune là. Jeune là, il peut rentrer dans le monde du travail, il ne pas connaître. Et en chair, il sent qu'il est menacé. Il y a les sentiments menacés, il n'y a pas pour montrer non, il y a là. Il dit ça là,
pour prendre mon travail, pour gagner la paye plus que moi. C'est grâce à ça que je dis que si arrive le minimum salaire, que tu as une distance entre travailler à nouveau et ton chien. Mais là aussi, je trouve que dans cette année-là, mon vois. Nous travaillons depuis l'année 80, mais je n'ai pas là l'année 80. L'île, il fait rentrer, mais vous pensez là, qui est là, ben, décidé, ben, leader, qui demande, je ne parle pas de ça pour ça pour Haban Jeanne. Donc, c'est tout d'un risque. De te à ces autres de la même, de te les m'a dit, continue de diriger même. C'est ça qui va vous faire. Non, question de blocage là. Je suis d'accord un peu avec tout ce qu'il vient de dire, notamment Shane et Jean-Noël pour l'instant. Mais je pense qu'un bon blocage qui nous gagnait, peut-être lié carrément dans la façon qui nous élevait, la façon qui la société fait nous comprendre comment voir les choses. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, je suis là, nous avons mettre beaucoup d'accent sur le patron Google, c'est un Indien, sur Jeff Bezos. Une des plus riches personnes au monde, le Elon Musk, le Mark Zuckerberg, tout ça là. Qui fait parce que je viens faire une entreprise, notamment Facebook, Amazon, etc. Mais en gros, c'est que la mentalité, je peux trouver aussi dans le Mauricien, c'est que aujourd'hui, capable de quitter l'école, aujourd'hui, mais tu peux être millionnaire. Dans le jeune, il y a beaucoup ça, l'ambition là. Tu vois, moi, je fais un million, moi, beaucoup un rappeur, ceci, cela. Il a dit à Maurice, ou get le TikTok, ou tout ça. Okay? Il a dit pour qui tu travailles, pour dire, ouais, mais vous êtes YouTuber, c'est-à-dire. Ou bien, beaucoup l'homme mon Instagram, mais vous êtes influencer. Comme l'article nous trouvait comme sur Facebook. Mais, en gros, ce qui peut arriver, c'est que. Et ça, c'est un système capitaliste. Ok? Parce que, en gros, je peux venir, mais pas besoin de venir travailler, tu peux venir entrepreneur, toi. Et là, je peux vivre dans ça, je peux nourrir sa rêve-là, je peux vivre dans sa rêve-là, jusqu'à à un moment, je peux réaliser, au fait, il y a une illusion. Hein. Ok? Au fait, je place, peut-être à 30 ans, et là, je pourrais dire, ok, pas capable de faire un travail aujourd'hui. Ok? Donc, c'est ça, au fait, me penser blocage-là, il vient ici, là, pour un jeune, qui fait ce qu'il ne va pas organiser, parce que nous tous, nous vivons leader. Nous tous, on vit une dimension qui n'a pas 1000 followers sur Facebook, Instagram, sur TikTok, tout ça là. Mais finalement, comment dire, nous pas d'accord. Ayo, mais si ma donne chaîne pour un follow là, mais pour moi, pour diminuer, pour lui, pour augmenter, donc on va pas permettre moi faire ça. Vous comprenez? Et ça qui me fait que dimension pas pécable, zénès pas pécable organisé. Ça, c'est un blocage. Ensuite, effectivement, il y a économique, il y a politique aussi. Par exemple, nous trouve beaucoup de jeunes. Ils ont des intérêts, des envies, ils rentrent dans la politique. Les temps de rentrer dans le Parlement, qui les trouvent? Ah, mais mon leader qui prend la prérogative. Ah, et où là? Mais où le parmi nous, on a mis nous dit pour l'idée où? Non, c'est le premier ministre qui peut décider, c'est le leader qui peut décider, c'est le même qui nous tient là. C'est un rencontre de nous autres. Non? C'est là qu'ils ont voulu dire. Ça, trois dîmes, là, ils décident. Tout le monde dit que tu pas que ça pour aller, que l'opposition en entier pour aller. Et là, mon mari, il est dans mon trou, ça, ou dans un neveu d'avenir, il vous dit, ah yo, mais moi, pas de consulter, moi, il mette moi devant les faits accomplis. Et là, qui vous dit, mais c'est moi, mon d'accord, qui avec l'alliance, c'est ce qui me pas trop d'accord, qui veut faire d'ailleurs, vous dites. Mais ça veut dire, en gros, il peut absolument dire, parce qu'il dit, nous autres, il finit de tout pour lui. Et partout, il commence à la politique, il reste dans les entreprises, il a dans les deux, partout, il est comme ça. C'est ça la réalité mauricienne. Juste pour répondre à ce que tu dis, je me demandais si c'est un blocage. Moi, je dis que à la base, c'est un blocage. Bana in met un blocage dans le système. Alors, c'est là qui fait que je mets ça blocage là. Bon, un d'économie, point d'économie, bah, c'est besoin d'immune. Nous, comme ça, besoin d'immune travail. Allez. Dès un mari, jeune âge, fait, je mets dans la tête que nous là, nous besoin rentrer la table, nous besoin travail en l'air. Quand tu es dans l'école, tu as un timetable, tu besoin rentrer l'école en l'air, tu besoin sortir l'école en l'air. Tu besoin respecter ton professeur. Ton professeur, puis là, qui toi, tu besoin respecter ton professeur. Dis-toi comme ça, qui t'es là, te manger. T'es là, te faire tes affaires. Ça, dans l'école, je n'apprends ça. Je suis petit. Quand je suis allé au travail, je n'ai pas trouvé le même concept.
pareil, tu n'as l'air de rentrer, tu n'as l'air de sortir, tu n'as besoin de pas gagner un droit contre le professeur, donc tu n'as pas un droit contre l'employeur. Pareil, je mets ça dans la tête, dans ce système-là est devenu la tête, est devenu marré type. Comment te dire? Depuis l'enfance, ils mettent ça dans leur tête. Avec une idée qui chaîne que moi, nous comptons discuter souvent. Comment je mets ça, tu me dis comment qui nous copie le système anglais. Un simple exemple, comment tu me dis, tu as fait 10 ans dans ce livre Histoire GE. L'histoire est à partir de l'indépendance. Raconte-tu, histoire Mauritius, blablabla. 1968, guerre d'indépendance, point. Pas explique-nous bataille après. Pas explique-nous combat du pays. Qui m'a dit une fondation du pays, pas explique-nous tout ça là. Pas explique-nous 1075. Pas explique-nous tout ça là exactement, République. Pas explique-nous. Arrêtez, inga l'indépendance, point. L'histoire, nous, moi franchement, je me rends à l'université pour mon connaissance, parce que je fais politique, mais je connais l'histoire Maurice, je vais apprendre ça dans l'université pour mon comprendre l'histoire bien. Parce que je ne vais pas vivre là. Je connais parce que je ne vis là. Moi, je ne vais pas connaître. Et que ça, c'est un gros blocage, je ne peux pas éduquer nous à ces lots-là. Et que ça, ça peut contribuer à politique, social, c'est un blocage. Et qui fait que je ne peux pas éduquer nous, parce que si éduquer nous là, la masque est plus pouvoir. Exactement. Et si la masque est plus pouvoir, nous avons un système capitaliste. Et dans le cas de Marx, les prédictions de tout le temps, dire qu'elle nous ouvre la masse de pour révolutionner et de pour bring down, de pour casser ce système capitaliste-là. Et j'ai envie de nous plus en bas pour garder ce système-là. Moi, je voulais ajouter un point à ce qui m'a dit avec dire. Il m'a dit que ça, il y a un manque d'éducation. Et de tout petit monde sur la cause pour sauver ça, éducation. Nous devons comprendre, pour comprendre qu'il y a un problème, nous devons accepter premièrement qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas le manque d'éducation. Le problème, c'est sa direction de l'éducation. Aujourd'hui, il y a un système qui, moi, vous comptez dire, c'est le terme ignorance contrôlée. C'est moi qui t'ai fait. Je vais me répondre encore une fois, vous comptez poser une question à l'audience. Je suis tout présent ici. Hein. Moi, mon côté, c'est une seule élection. Parce que, depuis 18, mon gars, 18 ans, moi, j'ai envoyé 1000. Depuis 16, c'est une élection. OK? Une seule élection, mon côté. Pour moi, sur la salle, je ne peux pas plusieurs élections, bien sûr, ça c'est un choix personnel. À chaque élection, est-ce qu'avant de quitter l'élection, je gagne une éducation appropriée pour aller voter? Ou soit, je gagne la case, ça va me coûter la case, ça n'a pas été dans la poste, je vais vous finir l'histoire. Je dis qu'il y a la Maurice, système qui était la Maurice, député ministre qui se roule. Non, oui, vous l'avez peut-être copain, oubliez ça. Député ministre qui se rôle aujourd'hui, et le gars fait un travail. Un tel, il fait un travail, mais vos enfants sont placés. Député ministre passe à ce travail. Député ministre est là pour débattre un match projet de là, pour améliorer la société en général. Député ministre n'est pas là aujourd'hui pour demander beaucoup de travail. Député n'est pas un individu qui représente la masse. Tout ministre représente la masse. Premier ministre représente la masse. Il n'est pas capable de décider de mandat d'abord lui-même. Je vais d'arriver à comprendre. Et moi, mon premier blocage que je trouvais, c'est qu'il y a une fausse démocratie, au fait. Parce qu'il y a une démocratie, c'est un système de référendum. Comme le projet est passé, comme le projet n'arrive à terme, comme le projet demande ce jeu de la vie. Comme la même partie de l'éducation. Moi, je dis, moi, comme la même partie de l'éducation, le système éducatif, comme le point minimum, moi, mon opinion, là, zéro. Ça, c'est le blocage que je trouvais. Right to recall aussi. Ouais. Au fait, ça c'est ce qu'on appelle le dialogue social qui justement nous dit qu'il faut mettre dans la voie et nous peut faire justement pour qu'il y ait sa National Tripartite Forum, aussi Jean-Luc, Jean-Claude Péconé qui peut dire, et peut-être Jean-Luc aussi. Sinon, c'est un bon, le système éducatif, tout ça là, il y a des affaires qui m'ont noté, qui m'ont pensé. Tout à fait d'accord, l'histoire, tu peux causer, on dira. L'histoire, je veux bien dire que, quand même, les temps où je suis sorti de l'école, je commence à citer mon livre, surtout Jean-Claude Delestac, qui est là qui me lisait, commence à ouvrir et me réaliser, au fait, quand moi, je suis sorti de l'école, tu as Narvin qui est Premier ministre. Et ce système-là, au fait, c'était Tchatcharam Boulam, tout ce qu'il a fait pour l'île Maurice, on va se connaître qui était ça en 1975. Vous ne pouvez pas connaître ça, la montée du MMM en 1970. Vous ne pouvez pas connaître ça, enfin, bagarre raciale. Car il y a un livre à lire, Février Noir, de
bien sûr. Mais moi, j'ai déjà le février noir pour moi, je connais quelqu'un qui est arrivé pour Kaya. Donc, vraiment, il y a ça qui est manqué dans nos livres d'histoire. Merci, Ulysse. Merci, tout le monde, panéliste. On arrive maintenant à la dernière question de nos débats. Est-ce qu'il est d'accord pour dire que Zodi Banzenes manque un repère pour débattre nos politiques? Pour moi, c'est oui et non. Parce que aujourd'hui, nous, Banzen, nous avons beaucoup de facilités avec la technologie qui nous est là, comparé avec Banzen dans l'année 80-90. Parce que nous avons tout bonne facilité dans la fraction seconde. Comment nous avons des affaires, il finit d'afficher l'eau, nous portable, il finit de nous ça, ça, ça. Mais le problème ici, nous, Banzen, nous, nous pas. Le côté politique nous dit, hé, ça ne va pas fonctionner, nous, ça. Parce que les politiques, nous connaissons direct tout qui vient, ils voient pareil, même ça possible. Là-dedans, nous jeunes, comment nous trouver, même nous, une plateforme, encore une leader politique peut causer. Juste avec ce ben, mon bouche qui est devant, ben, jeune, alors il y a un plan. Parce que sur la voie, il n'y a pas de bouche. Alors, pour qu'il y ait exprimé, il y a un mot, pas d'accord, c'est ce qu'il peut faire. En tout cas, mon leader, mon gars, il y a tout pas bon là-dedans. Mais ici, à Maurice, pour tout ça, problème qui je n'ai pas le droit de dire, je vais dire un qui ne nous pas d'accord. Je te laisse nous bloquer, même dire, mais toi, tu disais, reste tranquille parce que je suis là avant toi. C'est ça, mon pensée, là, ben, surtout plusieurs plateformes, les cas politiques, socio-culturels, mais la plupart du temps, ben, je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas le droit d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire, là, à bonnes affaires. Bon, sur la question, est-ce qu'il nous peut manquer un réel politique? Je pense que le problème, comme j'en ai dit, c'est nous pas gagner la chance peut-être d'exprimer nous, surtout quand nous montons un peu plus haut sur l'échelle. Par exemple, si on rentre dans le Parlement, comme on nous dit, on voit que t'en as dit, on dit, et Pravin, ce que tu peux faire, pas bon. Et nous voit que t'en non plus, Johanna, qui peut venir dire, pour le déranger, tu connais sa mentalisation de faire là, il y a un peu, pas make sense. Et nous ne pouvons pas non plus Fabrice David dire hey, « Navin, tu connais, tu es bien, prends ton retraite. » Nous ne pouvons pas attendre ça, parce que finalement, qui se trouve ça va nous faire là? On ne peut pas comprendre. Je vais venir dire, nous pouvons faire la politique autrement. Comment? On ne peut pas comprendre. Mais c'est bon. Dans une autre façon, moi, j'ai envie surtout, lors de cette question-là, dénoncer un peu pas une mauvaise partie qui nous est là dans Maurice. Par exemple, nous devons venir dire, souvent nous mettons d'ailleurs dans le dernier budget, nous trouvons ministre Palliatif et vient dire, vous connaissez une nouvelle lance, un nouveau secteur à Maurice. Il vient dire, par exemple, beekeeping, et il dit aussi qu'il y a une loto électrique qui peut venir une nouvelle industrie qui possiblement a créé beaucoup d'emplois pour les jeunes. Mais là, non, c'est moi qui vient dire, et il vous donne formation. Non, il. Donc, en gros, qu'est-ce que vient dire? Ah, nous vous donne l'île, travail là. Nous vous donne ABC Moto, ce travail là. Un petit mécanicien, et même moi, je décide d'apprendre tout ce qui est dans l'auto électrique. Je partir à ouvrir mon propre garage. Je ne veux pas donner nous ça. Okay? Parce qu'ils ne sont pas réponses, nous. L'année dernière, ils causent l'industrie pharmaceutique. Okay? Et moi, même temps, ça, je me dis, ouais, Marie-Serie, je vais dire mon cousin, et à la fin d'un peu, viennent un pharmacien te bouger un pécasse. Mais quelques mois plus tard, qu'il nous réalisait au fait. Est-il là que ça, l'industrie pharmaceutique là qui fait? Parce que ce camarade qui a fait une compagnie, il pourrait vendre un peu de bravier avec l'État. Au fait, c'est ça. Vous avez pensé ce pour eux. Et malheureusement, je pas engage ça va nous jeunes là dans une discussion pour qu'ils commencent à nous améliorer nos futurs. Et il n'est pas étonnant, je vous dis, qu'il l'arrive à nos jeunes. Et dire ah, préférablement le Canada, préférablement l'Australie, préférablement n'importe quel pays. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans le centre Afrique carrément. Parce qu'ils se connaissent, au moins là-bas, ils prennent plus beaucoup d'opportunités. Et justement, moi, mon envie à ce qui vise une bonne assez, pour moi, premièrement, est-ce qu'ils ne se moquent de paix politique? Mais avant de poser la question, est-ce qu'ils ne se moquent de paix politique? On a envie de poser une question, est-ce qu'il y a un repère politique? L'exemple, on dit souvent, l'exemple vient d'en haut. Et dans ce sens, il faut être là-haut. Et dans une politique là-haut. Mais normal, plein ras-le-bol généralisé. Normal, c'est ça, vous bien. Ça fait foutre ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire, ce que je fais, c'est mais moi, la voix, il n'y a rien de parler. Donc, moi, je ne suis pas là-haut.
Mais par contre, vous faites ce qui vous bien fait, moi le chemin, vous faites mon éthique, mon travail, mon bon accueil, il aime. Et dans la réélection, vous ne pouvez pas vous dire, aujourd'hui, bon, nous ne pouvons pas vous dire, pas de chiffre d'élection au dernier, pas de chiffre d'élection au dernier, mon territoire qui pointe, aujourd'hui, abstention de l'élection, permet de nous permet de nous payer. Et moi, justement, moi, je suis connu là à l'université, nous petite campagne de Human Rights, qui aide aussi, ma jeunesse, conscientise et mobilise l'importance, justement, de la politique. Et comment, aujourd'hui, la politique, ce synonyme, politique est un grand mot, ça. Synonyme politique qui était, c'est la vie publique. Du moment, c'est né, ce qu'on prend, qui politique, c'est la vie publique, et politique, et n'importe quoi, ça, de tout aspect, de tout domaine de la vie, l'est là par rapport à intéressé, on dit, politique, il n'est pas juste ce qui fait dérouler de bord, non. Politique, c'est aussi vidéo. Mais la politique de bazar, et la politique aussi, mais politique du partout. Et du moment où nous comprenons ce concept-là, nous pensons que c'est pour l'intérêt, justement, rendre la vie. Et pour moi, c'est justement ça. Et d'autre part, je me rappelle ça, peut-être que l'eau répète politique. Je me rappelle que, bon, nous, c'est NES, nous avons une belle expérience, nous avons une bonne trouve, la vie, comment je vais trouver, une bonne aînée. Mais quelque part, on dirait différent. La politique qui fait nous gagner, quelque part. Et nous payer pour dire une opinion. Parce que, attention, nous l'opinion, il y a même du backlash. Je vous dis, je prends mon portable là, je dis un tel copia, mais la CIA, il y a la pole. Alors que c'est la vérité. Je dirais que différent, créole est une langage là. Les armées ou pas pour cas, j'ouvre dans notre langage, moi j'ouvre en créole. Mais justement, la vérité blesse. Et si aujourd'hui, il y a un système que comment on peut dire la vérité ou qu'on va faire amélioration, mais normal, ce n'est pas pour une arrivée politique. Normal, ce n'est pas pour une demande politique. Et normal, voilà pour contrôler la politique là, bout en bout. C'est ce que j'avais à partager. Merci. Merci, Chérie, pour ça. Juste pour vous faire, je pense que vous connaissez ce qui est pressé. Vous faites une scène, ça fait marrer un peu autant. D'ailleurs, je peux rajouter l'eau là. Alors. Mais je franchement, nous m'en de dire nous, que nous sommes ici d'accord, pénal opportunité. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous les peuples, nous qui partent dans l'opportunité. Nous avons la possibilité de faire nos propres opportunités. Moi, je n'ai pas envie de filmer, moi, poster une vidéo, poster mon opinion, me cave. Me cave, poster mon opinion politique. Demain, j'ai envie de mettre un peu sur Instagram, me cave, mettre un peu sur Facebook, me cave. J'ai envie de prendre un micro, débout devant l'université, me pose quand on est dans l'université, me cave, débout devant un groupe d'élèves, faire dire. Mais qui fait, me pas faire dire. Enfin, me faire dire, mais qui fait, moi, les autres, ne pas faire dire. Mais j'ai un Sims à faire récemment, j'ai eu un autre débat. Pas pour aller plus en détail, mais quand j'ai fini de faire des débats là, nous prend courage, nous allons devant un groupe, nous live stream nous-mêmes. Et après ça débat là, c'est normal de répercussion l'ONU. Parce que demain ici, me cas dit une mauvaise affaire, get MBC la même là, me cas dit une mauvaise affaire, me passe aux télévisions, me finit me cas, y'en finit la même. Me dit une affaire pour le gouvernement, me cas, y'en finit la même. Me dit une affaire avec gouvernement, ça se me cas, y'en quand même finit la même. Imagine-je que mes ânes, que de m'aider, me dit-je franchement ce qui me compte là-bas, que me pénable le cas, me pénable l'opportunité, me cas l'université, me cas mon parent qui peut soutenir moi. Est-ce qu'il me cave à faute de faire ça? Est-ce qu'il me cave à faute des bouts devant eux? Là, me cave comment dire, mon risque des bouts devant eux? Parce qu'à finiment la même. Et pareil, ça c'est un grand tellement il met ça en fait politique là, il met politique ça, dirty game ça. De nos jours, ils ne même pas connu qui était sa politique. Politique ça fait Marie Julie, c'est pour la vie publique, de passer vite au peuple. Je trouve ça, Marie-Julie te cave, elle représentant tout le monde ici, c'est causé en même temps, là, ça fait marrer ta base. Qui fait nous besoin politicien, c'est parce que tout le monde va causer en même temps, tu besoin un du monde pour débouter, pour porter la voix un groupe du monde. Et que c'est Marie-Julie, ça sera du monde qui gagne pour faire ça, là. Je ne fais ça, vintement, je ne mets un affaire tellement, je n'associe ça, un affaire tellement vilain, que de nos jours, moi, comme je peux guetter, je gagne pire qui, moi aussi, me la vie finit la même. Et comme il y a des jeunes derrière moi, pareil, moi, je suis une science politique, je suis une involve de politique, c'est mon domaine. Mais je suis management, je suis psychologie, je suis engineering. Je suis plus l'intérêt, je suis plus l'on est à gagner. Et c'est ça qui me tient vers mener. Dans ce sens-là, nous manquons repère. Dans ce sens-là, nous manquons une assurance qui, quand nous rentrons dans politique, nous safe.
It is a safe space pour nous, nous quand début là devant Dieu. Parce que là, right now, c'est un safe space pour nous. Merci, Mathieu, pour cela. Et merci à Dieu. Et je n'aurais pas savoir lâcher. Je pense qu'on lâche quelque chose. Excuse-moi, Mathieu, une petite arme de vous. Tu es venu pour d'autres choses. Je vais vous dire. Moi, je suis une expérience qui m'a dans l'Université de Maurice. Alors, vous connaissez, l'Université de Maurice, il y a différents domaines qui sont ingénierie, accord comptabilité, informatique, etc., etc., marketing, la loi, du limite, du calendrier. Tous les étudiants de ce cours, à un moment donné, se faisaient faire un placement, ce qui nous rappelle internship, à battre des vacances, ce qui est une compagnie, ce qui est une partie, vous êtes pour eux. Je vous ai fait ça pour que vous gagnez des nous nous faisons sciences politiques et droits humains, que nous, par exemple, c'est 6 pour le cours, là. Politique, c'est le cours qui est la politique et un tiers avec deux, un tiers pour là, c'est-à-dire, moi, en deuxième année, peinant en bas, un tiers pour là. Par un tiers, nous savons que vous n'avez pas fait un internship, vous voyez ça. C'est-à-dire, nous peinons ça, nous, parce qu'il fait, le système n'a pas qu'à provider, nous, avec internship dans le domaine. Qu'est-ce qu'on va faire avec droit humain? Droit humain, c'est peinant, pas tant pour les droits humains de Maurice. C'est tout ce que j'ai à dire. Juste si me garde, juste une seule phrase, c'est ce que tu me disais, Chérie. Une seule phrase, tu le mentionnais et tu me disais ingénieur. Je te connais que, comme tu me disais, nous sommes là-haut pour prendre l'exemple. Allez, donc, pour mon ingénieur, mon élève ingénieur, je suis mon ingénieur des vidéos pour venir causer avec eux. Pour mon élève qui fait accounting, je suis mon accountant des vidéos pour venir causer avec eux. Nous, mon élève policier, pas qu'à avoir mes policiers pour venir joindre nous. Parce qu'il peut faire compagnie avec nous. Je ne trouve pas l'aspect que mes vies politiques sont vues que un petit peu politique avec nous. Et du coup, nous, là, non, pour faire campagne avec nous. C'est moi, mais on dit, nous sommes un rôle modèle, nous sommes en sorte que nous sommes là. Ça répète là. Exactement, voilà. Ça répète là. Camarade Jean-Bel, camarade Mandila, camarade Bissa Maramse, merci beaucoup. Et nous presque arrivons à la fin de sa débat au cadre électrique là. Et. Anglo, ça dit pas les mots, il a un problème là, camarade. Mais, à nous finir, l'ON est assez optimiste et réaliste aussi. Et qui se pensait, est-ce qu'il nous capte dès l'avant pour nous terminer ça, débat en mode avec une action, une solution, une recommandation, et aussi si nous, je crois content qu'il y ait aussi nous ait l'opinion. Et même en question de quelques membres du public, et parce qu'ils ont énuméré beaucoup de problèmes, commence depuis là-haut, venez puis en bas, et surtout quand la fin qui manque, c'est la dernière question, il manque sa repère, sa plateforme là, et c'est ce routine, un récit, organise un débat. C'est aussi grâce à chacun d'entre eux que je crée sa plateforme là, c'est camarade Réas, camarade Jane, pas délégué, c'est aussi la jeunesse. Mais il y a une solution. Vous laissez la parole à ceux qui sont plus longs. Qui est votre recommandation? Et nous commençons par Jean-Louis. Et rapidement, nous faire le tour de table. Et nous prendrons la question de l'audience et aussi de n'importe qui a envie de vous donner la parole. Merci. Moi, côté Bouachon, je disais comme si organise plusieurs plateformes. Pas juste à cause de nous, d'un syndicat, nous organisons plusieurs plateformes, même qui dans l'université, qui est capable d'être le grand côté d'un bas de jeunes. Je ne pas payer accès pour qu'on m'a dit de cas communiquer, comme si nous faisons plusieurs plateformes avec plusieurs qualités jeunes, plusieurs qualités d'esprit, nous faisons un débat à travers ce qu'ils nous disent, comme ça nous apportons plusieurs affaires, je suis capable de connaître ce que nous aider, qui nous pouvons faire. Parce qu'à travers, si nous nous gagnons une plateforme, nous allons poser. Il y a des jeunes qui font pas papier vous ça, Dieu la voix. Mm-hmm. Mais moi, on m'y porte à ça. Il y a plusieurs syndicats, il y a plusieurs branches dans Maurice. Mais moi, je vis tout les jeunes, c'est qu'ils ont envie de venir nous causer, nous faire un groupe, nous faire la masse. Aussi tant de papier dans la masse. Pas vraiment. Non, on n'y va pas arriver. Allez, me donne l'idée, moi. Me penser numéro 1, pareil que moi, on fait anglais, français, maths, me parler qui suis genre qu'on fait dans l'école, vous avez la politique. C'est un sujet que j'ai besoin de faire. Pareil comment laisser la boue donner, me causer de faire ça, de faire la loi, tout ça là, me penser, c'est un besoin de donner le syllabus politique,
ça un. Et si nous avons envie de poursuivre ça, pareil que moi, nous avons parté, nous avons que si par exemple, pardon, ouais, comment tu veux dire, il y a polytechnique, tout ça, nous venons, nous faisons l'école pour politique. Qui ne fait pas? Nous ne pas dédier un peu aussi, tertiaire à ça. Politique, public administration, travail dans la vie publique, voilà, ça c'est mon idée. Selon moi, nous visons d'abord encourager plus de jeunes viennent de l'avant et présentent une bonne idée. Par exemple, nous visons introduire finalement le National Tripartite Forum, visons avant de nous représenter les jeunes dedans. Parce que le dialogue social, il fait avec les gens âgés, la masse travailleur, également les jeunes. Donc, bien inclure les jeunes dedans. Tous les temps, tout le temps, nous finissons dire que ce groupe jeune CTSP là, nous l'ambition un jour, c'est peut-être nous avoir venir nous déposer notre recommandation pour le budget. D'ailleurs, nous faisons parce que nous faisons le nom CTSP. Nous envie un peu plus dans une instance de négociation. Donc, vous pensez, une jeune vise inclure dedans. Et là aussi, bien sûr, la loi vise à amender pour justement permettre un peu plus la chance de syndicat créé, notamment pour les jeunes. Tout étant utile, nous visons organiser un jeune travailleur dans un nouveau secteur. Et d'ailleurs, c'est ça l'ambition peut-être primaire de groupe jeune de la CTSP, à organiser un petit peu dans une zone industrielle côté d'un beaucoup de jeunes. Parce que c'est comme ça qu'il faut transmettre sa idéologie qui nous est là. Ensuite, bien sûr, nous avons une campagne contre la CTR avant ça débat là, contre caméra surveillance. Parce que, en fait, nous pas réalisé peut-être, mais à quel point il empêche Manzimoun organiser. Donc, voilà un peu, en grosso modo, une recommandation qui nous est là. Et alors, pour résumer un peu, ce qui va pas être mentionné, Mathieu, camarade Jean-Noël, une cause à propos de la communication, comment il est important de continuer une conversation qui nous gagne aujourd'hui là. Et votre envie de présenter une anecdote, aujourd'hui nous leur aussi, nous sommes très contents, nous remercions toute l'équipe qui nous organise ça. Moi, j'ai un camarade qui saute ma boue, il va le récit venir parce qu'il justement le problème de transport, etc. Donc, vous pensez, vous avez fait ça, un genre de conversation là, en tire. Deuxièmement, Manuel Vinlo, problème de rééducation, justement, je suis d'accord avec ça. Toi, Winston Kozlo, réforme, et mon envie, justement, qu'il comprenne ce mot réforme-là, l'étymologie même du mot réforme, parce qu'il a tout campagne, il a une mise à faire, réforme c'est ci, réforme c'est là, mais est-ce qu'il vraiment bien réformé? Alors, si on lit un simple exemple, parce qu'il vous tient des langues, on a envie de flex un coup, réforme, il est d'un mot, c'est justement de former à nouveau. Et pour former à nouveau, il y a le concept de déconstruire pour reconstruire. Je vous dis pas qu'un dire qu'il faut pour un système qui est au carré, orthodoxe, qui est outdated, qui n'est plus bon pour une société en 2022. Pas qu'un dire qu'il faut faire réforme là-dedans. Pas qu'un prendre un show IPSC, vous pouvez dire vous remplissez, vous remplissez. Il y a un IPSC, frère. Laissez-moi vous dire où là, c'est simple. Pas besoin d'un CNI, pas besoin d'expliquer là. Et point qui m'en vient, mais moi de mon côté, c'est justement le concept de décroissance. Parce que justement, on fait gagner le budget récemment. Ces affaires nous tournent. Comment pour augmenter le PIB, augmenter la consommation, augmenter les transactions financières, augmenter, booster l'économie, trafic maritime, augmenter le tourisme, augmenter l'âge de retraite. À l'époque, on était 60 ans, je connais assez 65 ans. Tout ça fait augmenter, augmenter ici, augmenter là. Mais il y a beaucoup de répercussions pour la croissance. La croissance, comment ça peut aller? Nous présent là? Maurice, vous gagnez du pied pour la petite porte? Non! Nous voulons, nous restons, nous avons une génération qui vient, Maurice, vous voulons. Mais croître, agrandir, augmenter, consommer, car les mêmes. À qui fait le concept de décroissance, il n'est pas anti-moderniste, non, rien. Le concept de décroissance est en accord avec la nature, avec la crise écologique. Le concept de décroissance aussi, il prend en considération la santé mentale. En grandissant, combien d'années on travaille, on travaille, combien de temps on travaille la santé mentale là. Vous êtes une vraie cause aussi. Pas qu'à prendre beaucoup local. Local, on va prendre 10 de nombre local par l'année. Alors qu'il y a un majeur de travail 38 à 40 jours par l'année. Moritialisme, je comprends.
mon camarade qui veut que je dise mon nom, je travaille 38 jours à 40 jours par l'année avec un salaire minimum de 159 000 roubles par mois. Et je, mon camarade, je travaille 8 heures de temps minimum, par contre, je vais par jour, par semaine, pendant toute une année pour gagner un salaire minimum. Donc, j'ai appris mon rapport de force, justement, pour repenser justement le concept de croissance et de décroissance. Et vous pensez, pour améliorer la qualité de vie, parce qu'ils ont dit après ça rendez-vous là, vous pensez beaucoup d'une frustration, vous pouvez me frustrer, un ne pas qu'à frustrer comme ça, il ne parle pas d'être à ce problème. Donc moi, voilà un peu les solutions à nos problèmes. Merci.